avec Antoine Lescalmel, le numéro 10 de l'US Montalbanaise. Antoine, ce soir, une victoire face à des Tarbais qui n'ont rien lâché jusqu'à la fin. Et 21 points de ta part. Oui, après 21 points, c'est anecdotique. Après, c'est sûr que, comme tu dis, les Tarbais n'ont rien lâché. On l'a bien vu ce soir parce qu'ils sont revenus. Ils marquent deux essais dans les 5 dernières minutes, il me semble. C'est ça. Après, bon, mais le plus important pour nous, c'était surtout les 4 points. Après, à un moment, je pense qu'on pouvait prendre peut-être les 5 points où on avait deux essais à zéro. Et après, quand les Tarbais ont marqué, mais, bon, le match était plié, il restait 5 minutes. Et puis, rien à jouer pour les deux équipes. Bon, on se fait prendre deux fois, une fois surtout sur la fin. Et bon, la mêlée, après, c'est pas une faute défensive, parce que c'est un rug, enfin, je veux dire, c'est trop gros, quoi. Donc, voilà. Mais après, sur l'ensemble du match, je pense que défensivement, c'était correct et c'était bien pour nous. Ouais, et puis, vous les avez poussés à la faute plusieurs fois, puisque 7 pénalités qu'ils ont encaissées. Ouais, après les Tarbais n'ont pas fermé le jeu non plus, donc ils ont joué. Nous on était bien défensivement et je pense que c'est là où on a su récupérer 2 ou 3 ballons surtout importants. Et après quand nous offensivement quand on avait le ballon, on a su les mettre en danger pour les mettre à la faute.